Je suis Myriam Soussan, donc architecte franco-marocaine installée au Maroc. Donc c'est vraiment un honneur d'être là, d'avoir été nominée. Ça a été une grande surprise. En fait, j'ai reçu un mail un jour qui me disait que j'avais été nominée pour le prix Arc Vision féminin. Donc ça m'a étonnée. Je connaissais pas en fait ce prix. Je connaissais Italch Humanity bien sûr. Arc Vision, c'est une revue, je crois. J'avais entendu parler, mais je connaissais pas du tout ce prix. Donc j'ai répondu un peu, sans trop y croire, en envoyant les projets. Après, quand on m'a appelé pour m'inviter et dire que j'étais dans les finalistes, ça a été vraiment une grande surprise. J'ai été très très contente. Même si après, je me dis, travaillant au Maroc sur des petits projets, comparé à d'autres pays qui sont plus développés ou des architectes qui travaillent sur des plus gros projets par rapport à Italch Humanity qui fait quand même du ciment et tout ça. Donc je me suis dit, c'est bizarre, mais j'ai été très heureuse de représenter le Maroc, un pays en voie de développement. En effet, ce workshop, ça a été hyper intéressant de voir tous ces nouveaux produits, de pouvoir visiter les laboratoires, de toucher ces matières, de voir tout ce qui est faisable. C'est clair que ça donne des idées. Tout de suite, on pense à plein de choses. Donc c'est super. Malheureusement, encore une fois, au Maroc, je ne sais pas si ces produits seront commercialisés sur place. Après, forcément, à mon avis, il y a un problème de coût. On ne nous a pas parlé des coûts, donc pour présenter après à des clients. En tout cas, ça existe. On voit qu'il y a de la recherche, on voit ces laboratoires, là, tout nickel. On est dans l'innovation. Il y a des choses très intéressantes. Et par rapport en plus à tous ces produits innovants et qui respectent l'environnement. Et ça, j'ai été très surprise aussi par cette orientation de produits qui respectent l'environnement. Voilà.